Si tu devais décrire Londra en un mot. En un mot. Oh. Bah, l'agence, c'est vrai, c'est un établissement public. Innovation. Parce que comme tu l'as dit, en 30 ans, ça a beaucoup évolué. Enfin, on a fait évoluer les techniques de stockage, on a fait évoluer beaucoup de choses. On essaye de vivre avec la technologie. Collectif. C'est une agence qui est un peu extraordinaire. Extraordinaire par plein de points de vue. Peut-être par le contact, par l'importance du sujet. Et puis par l'énormité du projet aussi. Voilà. Donc c'est, allez, je dirais un seul mot, énorme. Je suis totalement d'accord avec toi, il y a tout chez nous, c'est impressionnant comme société. Enfin, moi j'ai découvert plein de choses ici, plein de corps de métier. Maîtrise. Ah, pas mal. Sécurité peut-être. On est tout le temps en train de parler de sécurité, tout est autour de ça. Ouais. La maîtrise et la sécurité finalement. La générosité. Sérieux. Vert, autant pour la couleur du logo que pour l'espace dans lequel on travaille ici. Prévoyante. J'aurais pu prendre agile aussi. On est quand même soumis à un champ de contraintes très important, soit au travers des parties prenantes, soit au travers d'une réglementation qui évolue constamment. Et donc, on le voit bien, la nécessité de s'adapter de plus en plus vite, de plus en plus fréquemment. Ce côté adaptation, petite boîte, c'est juste le CSM avec voilà, deux installations dans l'Aube et puis un labo, et puis on passe de la recherche à acteur industriel. Mais dans la manière de communiquer, c'était très descendant au début. Aujourd'hui, on fait du dialogue, on fait de la concertation. Ouais.